Tu rêves? Non, je pense aux rêves. Et toi, tu rêves? Peut-être. De l'homme en marche, ce n'est pas de ceux qui savent. Ceux qui ont une autre vue, ce sont les traces des hommes qui suivent une invisible piste. Je rêve de la nuit et de celui qui marche vers sa connaissance. Oui, je rêve. Je rêve. Le marin a été disloqué. Ses pierres sont retournées à la terre, mais elles restent parmi les hommes. Dans leur cour, sous leur maison, au bord des talus, au fin fond des précipices. Le grand marin du Atahuru est enterré, mais pas mort. Et les maîtres des paroles vivantes marchent la nuit dans l'enceinte des marins. Et à voix haute, ils mémorisent les connaissances, ils créent le dialogue avec le vent, la pluie, la mer, la terre. Et la pierre, le sac de l'âme du marin. Je rêve des déambulateurs de la nuit, et c'est dans la nuit que les êtres rêvent. Alors, si tous les éléments sont perdus dans la nuit des temps, attendons la nuit et le rêve. Les hommes nus et le sable emportent tristesse et ignorance. Rien n'a fait que d'aller nu au nouveau pays. Tu rêves? Oui. Souvent. Je rêve. Je rêve de lui. Mais d'abord, il y a un dessin. Une esquisse où se tresse un destin. Le cadre de la première perspective de l'histoire. C'est une terre maori. Tahiti n'est pas une terre qui se tresse sur ses couleurs. C'est une terre maori, une terre pathétique, qui se glisse sur ses blessures comme un emplâtre volcanique et comble toutes ses fractures de pluie, de lave et de sang noir. Tahiti n'est pas un pays qui se nourrit de ses couleurs. C'est une terre maori qui en distingue chaque odeur. Qui connaît leur sonorité, les sépare sans les mêler, les mêle sans les diluer, et les dilue pour se penser. Tahiti la grande, et Fenua Tupuna. Tahiti nouye, it opumanana, et it opumanana. C'est une terre maori. Terre maori. J'ai bien réfléchi. Moi aussi. On peut partir du bambou noir. On peut pas, on doit. Donc, on va partir du bambou noir. Oui, mais c'est pas suffisant. Non, il faut tresser le reste autour. Absolument. Tresser, tu dis? Oui. Tresser, rassembler,
Finalement, au terme de ces combats, de ces réflexions, c'est à cela que Jean-Marc Pandrin voulait parvenir. Il voulait rapprocher toutes les connaissances de la culture maori pour en faire un ensemble, une natte où chacun pourrait s'asseoir et échanger à égalité. Moi, j'aime l'image de la natte. J'ai envie de la reprendre. Ouais, c'est pas mal, on peut essayer. Parce qu'en fait, on parle toujours du bambou noir, mais c'est surtout de Jean-Marc Pandrin dont on veut parler. De son parcours à lui. Ce qu'il a plus ou moins romancé dans le bambou noir. Moi, ce qui me plaît, c'est son combat contre ce qu'il considérait comme un génocide culturel. C'est un parcours de guerrier, ça. Et c'est forcément aussi le combat du personnage principal, ce Tahitien. Qui n'a pas de nom. Non, il n'a pas de nom puisqu'il a tous les noms. Puisqu'il est le représentant de tout un peuple. Le peuple maori. Un peuple emprisonné, un peuple colonisé. Mais pire, atomisé. Eux, en plus, ils ont eu la bombe. D'où ces bambous qui emprisonnent le personnage. Parce qu'au début, il y a ce dessin. Cette esquisse, comme l'appelle le Tahitien. Et c'est ce dessin qui va raconter l'histoire. Oui, une esquisse où se tresse un destin. Le cadre de la première perspective de l'histoire. Il a laissé la mine de son crayon venir à sa guise le papier à dessin. Une ligne mouvante est apparue, presque sinueuse, et déformée à intervalles réguliers par de légères excroissances. Il avait tracé un bambou fin et élancé. Intrigué, il s'est mis à esquisser trois autres troncs similaires sur la moitié droite du papier à dessin, séparés les uns des autres de quelques centimètres. Il a tracé une ligne horizontale, en haut et en bas, tout au long de la feuille, pour encadrer les lignes verticales. Et puis il s'est arrêté pour analyser ce qu'il venait de faire. La moitié gauche du dessin était vide, et la moitié droite lui évoquait une prison, dont les barreaux auraient été taillés dans des cannes de bambou, traversées aux deux tiers de leur hauteur par une barre qui coupait l'autre partie du dessin. Et tu dis que c'est ce dessin-là qui va raconter notre histoire. Et oui, parce que si tu regardes bien, ce qu'il a créé entre cet assemblage de bambou, ce sont des fenêtres, des espaces intérieurs hermétiques et encore vides. Et nous, ce qu'on va raconter, c'est comment il va remplir ces espaces. Ça, ce sera l'histoire du bambou noir. D'accord. Emmène-moi à Tahiti. Hein? J'ai dit, emmène-moi à Tahiti. Attends, c'est peut-être un peu prématuré, non? On n'a même pas commencé à répéter ce texte. Mais justement, c'est un début. Oui, enfin, moi, Tahiti, je voyais plutôt ça comme une fin. Donc si tu veux bien qu'on s'y mette... Eh bien, emmène-moi à Tahiti! Arrête! Tu m'agaces! C'est une proposition. Pourquoi ne pas commencer comme cela? Emmène-moi à Tahiti. Ah oui. Emmène-moi à Tahiti. Emmène-moi à Tahiti. Oui. Non. Non, c'est pas le ton. Si le mot est juste, si le ton est approprié, le spectacle va se mettre en place de lui-même. Quelque chose comme ça, par exemple. Dans l'océan Pacifique, entre les rêves d'un ici et les mythes d'un nulle part, une terre de beauté soupire. Fatigué de sourire aux visiteurs de l'ailleurs, locataire fugace d'un temps interminable. C'est pas un peu trop, là? Tu trouves? Oui, je trouve. D'ailleurs, je ne vois pourquoi on s'enquiquine à trouver absolument une formule de départ. Pourquoi on ne commence pas tout bêtement par une scène? C'est plus brutal. Mais c'est bien aussi. Enfin bon, tu as l'air inspiré, je suppose que t'as une proposition? Oui, je pense qu'on devrait commencer par raconter sa vie à Paris. Tu sais, lorsqu'il était encore étudiant, au Beaux-Arts. Évidemment. Ne serait-ce que pour montrer que ses études l'intéressaient moins que ses lectures ou ses discussions politiques. Déjà, il rêvait de reconstruire le monde. Et il vivait reclus dans un petit appartement du 13e arrondissement, avec sa petite amie d'alors, Agathe. Là-bas, il s'était construit une carapace de pierre. Tiens, tu peux lire un passage? Quand il sentait ses idées se consumer à force de les travailler et son corps se déchirer de ne pouvoir les aiguiser, il prenait ses crayons et se mettait à dessiner en chantonnant. Si l'espace de ses réflexions allait indubitablement en s'élargissant, celui de son existence tendait au confinement. L'atmosphère de son appartement devenait de plus en plus dense et comprimée sous le poids de l'accumulation des idées qu'il dévorait. Il s'en droguait sans retenue. Tant il lui semblait qu'il devenait intellectuellement de plus en plus fort et invulnérable aux idées reçues. Et Agathe avait aimé passer des soirées entières à l'écouter parler de son île, de sa famille et de son peuple.
Il l'emmenait au creux de la vie intime des Polynésiens, en introduisant chaque tranche de vie qu'il comptait d'un « chez nous ». Elle s'était lassée. Il ne l'avait pas sentie. Agathe. Oui. Arrête de tourner sans arrêt. Il peut être torturé pour définir de cette manière. C'est encore tes bambous? Quelque chose dans ma tête. Une forêt de bambous noirs dont je ne trouve pas la sortie. Ça vient souvent, tu le sais bien, c'est comme mon rêve de l'île. Je suis seul et une grande vague va l'engloutir. Chez nous... Arrête! Arrête, j'en ai assez que tu répètes tout le temps la même chose. Chez toi, mais j'en rêve de chez toi. Et du soleil tropical, et des couleurs, et... Oh, et tout. Emmène-moi à Tahiti. Le soleil. Moi, quand je retournerai à Tahiti, le soleil, il m'intéressera s'il peut servir à produire de l'électricité gratuite. Ouais, c'est moins romantique, peut-être. Mais moi non plus, j'ai pas envie de t'entendre ressasser tous les clichés exotiques. Le folklore de la Vahinée et du beau polynésien. Détestable. Tu es détestable! Le beau polynésien terré dans son appartement, incapable de sortir de ses quatre murs, ça c'est nettement moins romantique. Et ton monde à toi, il se limite à quoi? À des cartes postales dégoulinantes d'huile solaire, étalées sur des fesses bronzées? C'est affligeant. Affligeant peut-être, mais moi j'ai besoin de sortir du cadre, tu comprends? J'ai besoin de m'évader. Toi ton cadre il fait la gueule, il est tout travers, tu vois pas? Mais vas-y, continue de dessiner des bambous noirs, bien noirs, c'est sinistre! Attends, tu vas pas me ressortir des considérations picturales aussi! Gauguin et tout ça! Moi, les couleurs polynésiennes, elles explosent dans ma tête. Et j'ai bien peur que ce soient pas les mêmes que les tiennes. Ce sont les bombes nucléaires au large des atolls. Elles tombent pas du ciel, non? Non, elles ont bien été placées dans l'espace polynésien par des engins français, non? Des décennies d'essais nucléaires, ça marque... Au point de devenir ce que tu es! Il est où le jeune Tahitien que j'ai rencontré? Énigmatique, perdu dans un monde imaginaire. Tu parais te détacher de tout, mais c'est ce que tu es. Tu es incapable de t'attacher à quelqu'un. Comment veux-tu que nous entendions? Tu me parles de libération, d'évasion, foutaise. Moi, je te parle d'une société malade, de malnutrition culturelle, d'une société aliénée, standardisée. Et moi? Toi, toi! Moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? C'est ça de l'amour, c'est ça d'amitié! Ni l'un ni l'autre! C'est de la solitude. École du boulevard Saint-Michel. En descendant le boulevard, pour rejoindre la rue Monsieur le Prince, il prend conscience que deux hivers sont déjà passés et qu'il entre dans le troisième. En contournant le McDo qui fait l'angle de la rue et du Boulmich, il ressent un abattement inhabituel. Puis, il passe devant la maison de Tahiti. Et là, il pressent qu'il regagnera bientôt son pays. Quelques mètres plus loin, enfin, il traverse le trottoir et il atteint la maison des étudiants tahitiens de Paris. Là, il jette sa cigarette, il prend une grande inspiration, il monte l'escalier, il ouvre la porte, il s'y adosse et... Tu fais quoi là? Je frappe la peau des tambours pour réveiller l'aveugle. Quoi l'aveugle? Oui, Matapo, l'aveugle, c'est le surnom qu'on lui donnait. Il donnait toujours l'impression d'être absent, en déplacement dans un autre univers. Un somnambule, un déambulateur de la nuit déjà, mais il ne le savait pas encore. Mais lui? Oui, lui. Ah, lui, il passait son temps à rêver. C'est bien plus tard qu'il comprendrait à quel point il était important de rêver.
Pour l'instant, il en était encore à vouloir discipliner le monde par la raison. Il cherchait sa place. Artiste, ethnologue, militant. Il voulait se rendre utile à son pays et à son île. Mais il n'était pas sûr que l'art ou ses études ou ses lectures puissent lui en fournir les moyens. Et pourtant, il voulait rentrer chez lui, armé jusqu'aux yeux, et pouvoir agir avec efficacité sur tout ce qui avait attisé sa révolte durant son adolescence. Alors il s'accordait quelques incartades. Dans les sphères de la contestation, tous azimuts. Au foyer des étudiants tahitiens de Paris, par exemple. Attends, attends. Tu dis quoi, là le jeune tahitien au bambou noir ou de Jean-Marc Pombrun? Les contours sont flous. Ils se confondent souvent. Tu comprends? On en était où? Le parcours, l'intellectuel engagé. Frappe la peau des tambours pour réveiller l'aveugle. Tahiti n'est pas un pays qui se lève avec ses couleurs. C'est une terre maori qui se répand sur ses douleurs en tranches épaisses de basalte pour empêcher que son chagrin devienne grandir sur l'asphalte et répand son bonheur. D'un seul coup, le révolté qui dormait au fond de l'étudiant en art plastique s'est libéré. Dans un déluge de mots, comme jaillit d'un volcan en éruption, il a rappelé que le respect appelle le respect, et non le rejet et l'humiliation. Il a rappelé des décennies de compromis et d'inféodation au colonialisme d'une bonne partie de l'aristocratie tahitienne, après leur conversion à la nouvelle religion. Il a expliqué que la bourgeoisie qui en était issue avait obligé le reste de la société à devenir les nouveaux esclaves du mercantilisme, puis du capitalisme. Auxquels les parents des étudiants présents avaient bâti leur empire politico-financier. Il a conclu que l'association était non seulement une institution totalitaire, qui n'avait que peu de rapport avec l'idéal démocratique dont ses membres prétendaient se targuer, mais qu'elle cultivait le totalitarisme, et qu'à ce compte-là, il valait mieux la dissoudre. C'est une terre maori, obscurcie par la rêverie, et aux yeux pleins de mélancolie. Yeah. Écoute ça. Il tapit comme des jaguars. Il muette, il immobile, il inoubliable et sans nom. Je lasse mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous. C'est pas mal ça. C'est de toi? Non, c'est de Blaise Sandrard. Ah, je me disais aussi. Écoute ça. Éclire une île, un pays où les êtres étaient sans être. Sans voix, sans mot, sans dire. Cela chape de silence en coupe réglée de la pensée unique. Écrire une île, un pays d'eau, de sources et de mer. Laisse Sandrard. Mais non, pourquoi? Écoute ça. Aucune culture n'est une île. Qu'est-ce que vous avez tous les deux à la fin? C'est une conspiration? Aucune culture n'est une île. Avec ses airs de prophète illuminé,
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on cherche une transition, voilà pourquoi. Parce qu'on a besoin de toi pour réfléchir, mais je vois que c'est pas gagné. Tant pis, on se débrouillera tout seul. Il faut bien qu'on explique son retour à Tahiti. Expliquer le besoin qui s'était imposé de rentrer chez lui. Expliquer la nostalgie qui l'a submergé lors d'un voyage avec Agathe en Bretagne. Un matin, elle lui a confié qu'elle souhaitait rendre visite à ses grands-parents qui vivaient à Ouessant. Et elle lui a demandé de l'accompagner. C'était la première fois qu'il quittait Paris. La première fois qu'il posait à nouveau le pied sur une île. Sandra? Non, mais non, ça c'est de moi. Valise! Très tôt, ils avaient pris un train à la gare Montparnasse en direction de Brest. Indéterminé, son esprit est parti à la dérive, au rythme saccadé des images qui défilaient derrière l'écran de la fenêtre. Des ombres glissaient, explosaient et disparaissaient à l'arrière du train. Le claquement des roues sur la jonction des rails, le bruit cadencé sur la voie, lui avait rappelé celui des baguettes frappant sur des troncs évidés. Un batteur imaginaire qui le ramenait chez lui. Et puis soudain l'Atlantique. L'immensité aquatique qui s'étalait à ses pieds. Il avait eu l'impression de rentrer chez ses grands-parents dans l'île de Moréa. En posant le pied sur le pont arrière du bateau, il s'était senti dans son élément comme jamais depuis son arrivée en France. La mer lui avait paru plus grise que celle de Polynésie, mais elle frappait l'étrave du navire de la même façon, le forçant à rouler et à tanguer comme il avait toujours aimé que les bateaux le fassent. Le trajet entre le Conquet et Ouessant dura presque le même temps que celui entre Papeete et Moréa, renforçant son sentiment d'être un peu chez lui. Mais lorsque les côtes étaient apparues, dépourvues d'arbres et de plages, l'étonnement que cette double absence avait d'abord provoqué s'était très vite transformé en ravissement. Il avait jubilé à l'idée d'admirer une île sans cocotiers. Donc, ce qu'aurait pu dire notre Tahitien en quittant Paris. Mais à qui?
Il était en guerre contre la France coloniale, capitaliste et nucléaire. Paris en était le symbole. Puis sa présence n'y était plus vraiment souhaitée. Certaines personnes se demandaient même. Oui, certaines personnes se demandaient, c'est vrai. S'il fallait maintenir l'effort consenti d'aider un jeune boursier à se mêler des autres que de ses études. Surtout après l'épisode de l'atelier. Oh, l'épisode de l'atelier. Enfin, je t'ai toujours dit qu'on aurait dû jouer cette scène. Mais toi, tu ne le voulais pas. Tu ne la sentais pas. Or, c'est un moment charnière. Et puis, je te voyais bien l'interpréter. Hein? Tu crois? Oui. Relis-la un peu pour voir. Il n'était pas venu à Paris pour goûter ses charmes. Il s'était investi d'une mission secrète. Les idées belliqueuses qu'il avait en tête l'avaient galvanisé. Alors, un matin, il remonte la rue Bonaparte à grands pas pour entrer à l'école des Beaux-Arts comme un guerrier. Pour une fois, il dévisage les passants tout en les insultant dans sa langue. Il déboule dans l'atelier encore vide comme un rocher tombé d'une montagne, bousculant table, chaise, chevalet à son passage. Il prend alors une bombe de peinture rouge qui traînait sur une étagère et il se rue sur le mur le plus large de la pièce pour y écrire « Faites péter votre sale bombe chez vous !»« Faites péter votre sale bombe chez vous !» Voilà. C'est vrai qu'il le dit bien. Après ça, le jeune Tyson, il n'a plus qu'à faire ses valises. Et il n'y a pas que la nostalgie. Non, il y avait aussi Miri, sa nouvelle compagne. Une métisse qui, elle aussi, voulait rentrer chez elle, à Tahiti. Dans ses bagages, il y avait son esquisse, bien sûr, et puis la dernière lettre de sa mère. Je me casse. J'arrive ! Et les oiseaux ? Et nos anthropologues ? Merci. L'île aux anthropologues dont je traite dans cet essai est non seulement la représentation d'un lieu très concret, ici la terre maori, mais aussi l'image d'une ère disciplinaire, une contrée virtuelle, l'anthropologie. Une île sur laquelle on trouve une espèce de drôle d'oiseau, les anthropologues. Caricature métaphorique d'une classe nouvelle d'intellectuels. Caricature métaphorique d'une classe nouvelle d'intellectuels. Oh, ça commence bien. Tous les mêmes. Plutôt que bazar, vois-tu, je parlerai plutôt d'un afflux migratoire. Afflux parfaitement normal en cette saison, puisque l'été est propice à notre arrivée sur l'île, comme tu le sais. Oui, il paraît, oui. Et même qu'à cette période, l'île devient un terrain de chasse très prisé de vous autres, les volatiles pensants. Et c'est pourquoi j'avançais le mot bazar. Que je retire. Mais bon, profitons donc de cette migration saisonnière pour aborder notre sujet et présenter cette faune aviaire très particulière, les anthropologues. Très friands en cette période de venir se nourrir de leur espèce favorite, le maori, une espèce qui, soit dit en passant, après avoir résisté au changement climatique provoqué par près de 200 ans de colonialisme, a su résister à ses prédateurs les plus voraces. Je parle toujours des anthropologues, bien sûr. Minute, bipède! On ne va pas remonter au James Cook ou au Bougainville, mais j'aimerais quand même dire un ou deux mots sur l'arrivée des premiers oiseaux migrateurs. Je suis quand même mieux placé que toi pour en parler, soit dit en passant. Oui, mais pourvu que ce soit bien en passant. Ça veut dire que tu fais court, vu? Je dis ce que j'ai à dire, vu? Oh oui. Ce qui a surpris les premiers oiseaux migrateurs, c'est de découvrir que cette île regorgeait de spécimens humains qui croissaient à l'état sauvage. Des êtres grands, à la peau plus claire que sombre, au physique agréable, généreux et hospitalier,
mais surtout insouciant et sexuellement sans inhibition. Oh, les petits hypocrites! Ils ajoutaient cela à la fin, comme un détail. Alors que tu penses bien, la claque, le choc, quoi! Et une manne inespérée pour la communauté savante occidentale. Une trouvaille qui allait bientôt marquer le destin du Tahitien, l'île du bon sauvage. Ouh! Encore un coup de génie du Diderot et du Rousseau, ça. La grande migration pouvait commencer. Les naturalistes, les missionnaires, et les ceci, et les cela. Et ça dure! Tahiti reste aujourd'hui l'Eldorado des anthropologues, oui, qui viennent s'y poser en grand nombre pour faire du terrain. Faire du terrain. Ingurgiter le substrat. L'écosystème particulièrement riche de l'île. Non mais écoutez-le, celui-là. Écoutez-le, ce gorgé de grands mots, de mots savants. Il nous manque encore quelques cris ou gargouillis incompréhensibles pour le commun des mortels, comme savent si bien le faire ses congénères. Tu peux préciser, là? J'ai peur de ne pas comprendre. Alors je fais court. C'est à croire que votre espèce fait semblant d'employer des mots compliqués et dans une langue qui, en plus, est étrangère aux langues parlées par les populations autochtones. Si tu le vois comme ça, je peux continuer? Ouais. Faire du terrain, ingurgiter et pondre, le grand cycle de la nature, quoi. Ingérer, dans le moindre détail, les manières de dire, de faire et de penser des espèces insulaires, et les régurgiter sous les formes les plus diverses, cours universitaires, conférences, articles, livres, le tout pondu en langue française, ou fin du fin, en langue anglaise. À croire qu'un œuf pondu dans la langue locale aurait moins de succès en librairie. Même l'Anthropologus tahitiensis, dont pourtant plusieurs spécimens maîtrisent la langue de leurs ancêtres maoris, préfère écrire dans la langue du colonisateur. Et c'est moi qui emploie des mots savants. L'Anthropologus tahitiensis. Voyez-vous ça? T'en veux un autre mot savant? Autochtonophage. Tu sais ce que ça veut dire, l'emplumé? Je te laisse le plaisir de l'explication. Eh bien, ça veut dire que le mets favori de l'anthropologue consiste à expliquer aux espèces qu'il étudie pourquoi elles disent ce qu'elles disent, pensent ce qu'elles pensent ou font ce qu'elles font. C'est pas beau, ça? Bref, l'anthropologue est un redoutable carnivore de l'autre. Autochtonophage! Bravo! Clair, concis, lumineux! Quelle maîtrise de la langue! Tiens, c'est bien simple! Si j'avais des mains, j'applaudirais. Mais, avec mes pauvres ailes... Et puis, toutes ces considérations linguistiques ne t'éloigneraient-elles pas un peu du sujet, hein? Le sujet? Oui! J'aime autant te dire que je suis un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de moins passionné, de plus maîtrisé, de plus scientifique en un mot. Vas-y, bipède. Je suis sûr que tu peux faire mieux. T'as dit ? N'est pas un pays qui se confond dans ses couleurs. C'est une terre maoïe, rencontrée par des découvreurs, et la tête pleine de chimères, et les yeux injectés d'envie, et qui ne vivent pas que sa lumière, et n'est pas celle du paradis. Ça y est, t'es réveillé? Voilà. Maintenant, il y a un oiseau. Un grand oiseau métallique. Un grand oiseau métallique? Non, mais de quoi tu parles? Franchement, réponds-moi, tu l'as lu ou pas, le Bambou Noir? Qu'est-ce que tu insinues? Le Bambou Noir, évidemment, je l'ai lu plus d'une fois. Et les anthropologues et... L'histoire de la natte, J'ai oublié le titre, peu importe. J'ai lu ses poèmes, ses pièces de théâtre, ses romans, parce qu'on a écrit des choses, ce pambrin. Alors forcément, au bout d'un moment, je me perds, je m'embrouille. Bon, et si moi, je m'embrouille, alors... Franchement,
franchement, on te quitte, tu parles d'oiseau, on revient, tu reparles d'oiseau. On vole plus, on nage là. Très drôle. J'essaie de calmer le jeu, je sens un peu l'atmosphère tendue. Tendue qui ? Tendue moi peut-être ? Mais non, pas du tout. Je demande un peu d'ordre, de clarté, de rigueur. Mais bien c'est sûr, tout. Tout est en ordre, tu vas voir. On reprend l'histoire de notre Tahitien. Depuis quelque temps, une évidence toute simple a fini par s'imposer à lui, qui ne peut plus rester à Paris. En bombant l'atelier, il a signé sa propre exclusion. On lui supprimera sa bourse dans un mois ou deux, et puis sa mère et ses sœurs ont besoin de lui. Plus que jamais. Et maintenant, on parle de la lettre de la mère. Là, c'est clair. N'allons pas trop vite. Puisqu'il rentre à Tahiti, j'avais pensé qu'on aurait pu s'attarder un peu sur le vol qu'il ramenait chez lui. Avec Myrick, sa compagne. Une petite parenthèse dans l'avion. Une petite parenthèse pour penser. Le grand oiseau métallique. Le grand oiseau métallique. Voilà. L'avion était encore à bonne distance de l'archipel des îles du Vent. Le visage tourné vers le hublot, perdu dans cette nuit comme un enfant qui découvre un pays pour la première fois, il cherchait dans les nuages qui s'étiraient le long de la carlingue le visage de sa mère. Il se répétait les mots de sa lettre. Ayou, bébé. Sa mère était la seule à employer ce mot affectueux pour lui parler. Ayou. C'était bien ses mots, mais ce n'était pas son écriture. J'ai demandé à une copine d'écrire à ma place parce que je suis alité et mon poignet droit est plâtré. Ayou, je te demande pardon pour la peine que je vais te faire. J'ai honte de tout ce que je vais te dire. Honte pour toi. Pour moi. Pour nous. Ayou, surtout ne te mets pas en colère. Je suis au pénitencier de Nuhutan. Un vide en lui. Puis ces mots qui lui avaient fauché la raison, qui revenaient maintenant en boucle. Ayou, on a violé ta sœur, Heifouari. En lui, silencieux, un hurlement de bête. Ayou, on a violé ta sœur. En lui, cette vision horrible. Une jeune fille de 15 ans, écartelée, violée. Le crime avait eu lieu, rien ne l'effacerait. En lui, cette vision, ces mots. Ayou, on a violé ta sœur. Heifouari a été agressée par un homme qui avait proposé de la raccompagner un soir, après le bal. Et il l'a abandonnée sur le bord d'une route isolée. Elle a parcouru le reste du trajet à pied, jusqu'à la maison. Les habits déchirés. Et couverte de sang. Ayou, ne te mets pas en colère. Je n'ai pas porté plainte. Je ne voulais pas que l'affaire finisse dans les journaux et que tout le monde soit au courant. Mais j'ai retrouvé la trace de l'agresseur et je l'ai rossé tellement fort que mon poignet droit s'est brisé sur sa figure. J'ai aussi cassé les dents d'une femme qui se trouvait là et qui a voulu intervenir. C'est elle qui a porté plainte. C'est ce que les gendarmes m'ont dit quand ils sont venus me chercher. Mais ils n'ont pas parlé du jeune. Alors je n'ai rien expliqué. Cela. C'était cela au moins. Châtiment, une correction. Pas grand-chose comparé au crime, mais cela au moins. Et sa mère l'avait fait. Et cela l'avait un peu calmé. Comme de savoir que maintenant elle était sortie de prison et que ses sœurs étaient en sécurité chez leur tante, à Huainé. Non. Tahiti, c'est pas le paradis. Tu m'as parlé ? Ça fait deux fois que je sais à deux reprises. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Rien, rien. Une idée comme ça, fais pas attention. Regarde ! Tu vois là ? Les montagnes qui émergent de la mer. Là, ce sont déjà les lumières de Papeete, non ? On voit les toits des maisons, les toits de tôle ondulée. Oh, on est chez nous. J'ai l'impression de rentrer au paradis. Le paradis. Ce n'est que le premier d'une longue série de malentendus
entre Mili et son compagnon. Et c'est une autre histoire. Passeport. Allez, Marie. C'est combien de temps en Polynésie? Vous avez un billet de retour chez vous là-bas là? Mais je suis originaire de Tahiti, je rentre chez moi. Sans billet de retour, vous pouvez pas rester ici. Hein. J'ai mon billet retour, mais je suis boursier polynésien. Et en tant que boursier, j'ai le droit de revenir en vacances une fois pendant la durée de mes études. Je suis désolé, sans carte monsieur, de séjour. Monsieur, vous monsieur, chez vous, là-bas, monsieur, en métropole, là-bas. Monsieur. Oh, oh, madame, ici c'est le paradis, on se calme. Attendez, j'ai une copie de mon statut de boursier polynésien. C'est une preuve suffisante, ça, non? Allez, dépêchez-vous, allez, allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est possible de renouveler un ressortissant polynésien? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis fiché, c'est tout. À Paris, j'ai soutenu les jeunes Tahitiens emprisonnés du mouvement Tetotopuna. Ils sont des ancêtres. J'ai signé des manifestes. J'ai milité contre les essais nucléaires pour l'accession du pays à l'indépendance. Alors forcément, les services de l'État français m'ont à l'œil. Non, Tahiti, c'est pas le paradis. Je vais rejoindre mes parents. Nous devons prendre la correspondance pour Huaïne. Je te retrouverai bientôt. Moi, je dois passer quelques jours avec ma mère. C'est une terre maori. Obscurcie par la rêverie. Et aux yeux, plein de mélancolie. C'est une terre maori. Qui se lève avec ses couleurs par simple goût de l'harmonie ou pour un séjour enchanteur. Tamboulé, 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 tamboulé. Son fils avec une couronne de tiare et elle va le serrer dans ses bras très fort, mais très fort. Aïe, mais j'ai l'impression de n'être jamais parti. C'est une terre maori, une terre de détresse, mais qui sait sauver ses apparences. Il lui faudrait aller au-delà des apparences pour découvrir ce qui avait vraiment changé. Tahiti ressemblait à sa mère, et sa mère ressemblait à Tahiti. Les vicissitudes de la vie ne laissaient aucune trace sur son écorce. Elle se logeait dans la moelle interne. À ce que je vois, les choses n'ont pas beaucoup changé par ici. Le portail marche toujours aussi mal. Tu n'avais pas promis de le réparer avant de partir. Ouais. Et bien sûr, je ne l'ai jamais fait. Mmh. Et comme ça, je me sens vraiment chez moi. Tu es tout maigre. Tu n'avais pas cette photo de papa? C'est ta tante qui me l'a donnée. Elle a été prise le jour où ton père est allé se faire soigner à Paris, à l'aéroport. J'ai rêvé de lui juste avant de partir. Juste avant de recevoir ta lettre, il avait l'air très fatigué, avec les yeux éteints, tu sais, comme quand il a arrêté de travailler sur les sites nucléaires, quand on lui a dit qu'il avait cette leucémie. Rêvé de lui, je savais que c'était un signe, qu'un malheur allait arriver. Il s'était déjà produit. Thank you.
Et mes sœurs? Elles sont chez ta tante, à Huahine. Je t'ai préparé du thon rouge pour ton retour. Tu vas bien? Oui. Tu as perdu ton travail à la cantine? Il fallait bien qu'ils trouvent quelqu'un. En attendant que les choses se tassent un peu, tu comprends? Mais j'ai retrouvé un emploi dans une société de nettoyage. Et je livre toujours des poissons crus et des gâteaux le dimanche. Poissons crus, les cocos. Avec les allocations familiales, j'y arrive à peu près. Tu sais, j'ai pris un jour de congé pour te voir. Ça n'a pas été à rien de l'obtenir. Pour le retour de ton fils, on voulait pas te donner ta journée? C'est qui ton employeur? Un papa! Il ne supporte pas les absences injustifiées de ses employés tahitiens. Il veut combattre l'indolence polynésienne qu'il vit. Voilà, c'est prêt. Et vous, vous le laissez dire des choses pareilles? T'occupe pas! Mange! Tu es beaucoup trop maigre! Et puis tu sais, les choses ont changé ici aussi. Les jeunes, ils ne respectent plus rien! Tu as entendu parler du mouvement Tetototopuna? Tu as vu ce qu'ils ont fait à Papeete? Et ils osent s'appeler le sang des ancêtres! Des assassins! Des criminels, oui! La prison, ce n'était pas assez. Si j'avais été le maire, moi, j'aurais fait bien plus que ça! Bien plus. Tu ne manges pas? Tu n'aimes plus mon poisson cru? Si, mais j'ai pas très faim. Le voyage, sans doute. Ces jeunes, il ferait mieux de fréquenter l'église évangélique. Ou venir aux réunions de l'AAPI. L'autonomie, c'est quand même bien pour nous, non? Comme si Francis Sanford n'était pas soucieux de l'avenir de la jeunesse. Des révolutionnaires, des contestataires. Ils ne comprennent pas que la violence n'a jamais rien réglé. Ne me dis pas que tu les approuves. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à Paris que tu ne manges plus rien? Toi aussi, tu as bien changé. Je crois que je vais aller me reposer. Le décalage horaire, sans doute. S'était creusé entre sa génération et celle de ses parents. Il n'avait plus envie de penser. Alors il a sorti son croquis et a fixé un long moment l'esquisse du pinceau en apesanteur. Il a secoué la tête. Elle a pensé que quelque chose lui manquait ou quelqu'un pour l'animer. Le prolongement du manche du pinceau s'est mis alors à dessiner une forme fuyante, évanescente. Je le tenais par ce qui ressemblait à une longue main gracile. Il se terminait en une arabesque suggérant un corps flasque, surmonté d'une tête placée de profil et prolongée par un bras amorphe, collé à des membres inférieurs éthérés. Il avait représenté l'idée qu'il se faisait d'un esprit, tentant de passer son pinceau sur la toile. Mais il lui faudrait sortir du monde exclusif des idées. Et deux jours plus tard, sur l'île de Huahine, Tati Martin l'attendait.
Tati Marta! Oh! La vitesse! Je suis fière de toi. Ah, on va fêter ton retour dignement. Fêter, je sais pas. Mes sœurs sont là. Oui. C'est Hey Poirier que tu veux voir, c'est ça? J'ai besoin de la voir, ouais. Un peu peur aussi. Toutes ces images que j'ai dans la tête. Elle s'avance vers moi avec son petit sourire triste et puis... Puis moi j'ai envie de lui parler mais aucun son n'arrive à sortir de moi. Et elle, elle s'avance toujours avec son sourire mélancolique. Perdue dans un océan de tristesse. Elle ne te dira rien. Son viol appartient au passé, il doit y rester. Elle ne te dira rien. Mais elle est heureuse que tu sois là, de ton retour, tu comprends? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Mais tout. La maison, les bambous, le toit de feuilles de cocotier. Tu habites un falais maintenant. Apercevoir, jeune homme. Oui, j'habite un phare. Fini l'atoll. Fini le contreplaqué. C'est ton cousin Johnny qui m'a persuadé de revenir aux sources et à la maison traditionnelle. C'est même lui qui m'a la construite l'année dernière. Remarque, il fallait faire quelque chose. L'autre allait s'écrouler. Et tu aimes? Oui. Au départ, j'aurais préféré une maison en dur. Mais maintenant, je m'y sens bien. Pour rien au monde, je reviendrai à la maison construite en européenne. Ah, dis donc, il en a fait du chemin, le cousin. Mmh. Depuis le temps qu'on aidait les grands-parents à retaper leur faré à Montréal. Ça lui est venu comment, cette vocation? Oh, il a rejoint l'association... Ya Ora Te Natura. Henri Hiro, tu connais? Non, mais j'aimerais bien. Je sais tout ce qu'il a fait pour la culture maori. Mmh. Ça m'étonne plus maintenant que t'habites un faré. Ah. Incroyable. Un faré. On dirait que tu n'en as jamais vu avant. Mais si, mais là, c'est comme une révélation. Je cherchais du travail, je me demandais ce que j'allais faire, et bien, ça, précisément. Je veux construire des falais. Je veux construire des maisons traditionnelles. Je veux retrouver le savoir de nos anciens. Tu es complètement fou. Allez, aide-moi. Moi, ma maison maori. Una una por aore, to upareu. Ehi pumahana, no ta umoe moya. Maruha upu wai wai, no ta utino. Rohipe aruadue, no to uvarua. Ai atu, no to uaia. Eni upapa, no to ujo. Eh, to uvare ma oye, haha. E fare no te hau, e fare no te here. Ute haamane, imuara, e amore no atu. To uvare ma oye, e fare no te tato ara, e fare te vuna. Terei tua tini e wahama te putau te hau. Wahama te putau te here. Waora te tama. To uwhare ma oie. E whare no te hau. I te amari muara e amuri no atu. E te tama ma oie. Atu! Popo maira. Je relisais l'île aux anthropologues, là. C'est vachement bien ce parallèle qu'il fait entre les anthropologues et les oiseaux. Je crois vraiment qu'il faut faire quelque chose avec ça. Tu sais, on pourrait d'abord décliner leurs caractéristiques générales. Parce qu'il écrit, écoute bien, qu'ils se différencient des autres classes d'intellectuels par leurs membres antérieurs disposés en ailes et adaptés pour le vol, parce qu'ils voyagent beaucoup. Et... Merci.
La classe des anthropologues est riche d'ordres divers et variés. Les grimpeurs, qui regroupent les arrivistes en tout genre, à pattes préhensibles. Les plus redoutables, les rapaces. Et les plus amicaux, les colombins. Sans ambition et sans prétention, et souvent d'une naïveté désespérante. Désespérant. Comme les poules, ils se caractérisent par l'absence de dents, ce qui leur donne un air tout à fait inoffensif, mais tout aussi trompeur, car leur bec leur permet de saisir leur proie avec la plus grande facilité pour les mettre à mort ou les gober tout cru. Des plumes et du duvet recouvrent leur anatomie d'un matelas épais, ce qui permet à leur cerveau de phosphorer. Leurs doigts sont armés de serres courtes ou recourbées, aiguës et fortes, comme chez les rapaces. Très drôle. Merci. Ouais, possible. Et pourquoi pas celui-là? Ah non, là ça concerne l'hydre à trois têtes. Enfin, là on va devoir parler des grèves qui vont l'accaparer de plus en plus, du fossé d'incompréhension qui va se creuser entre lui et Miri. Moi j'ai pas du tout envie de commencer par là. Et dans cette... et ce texte-là? Mais ça c'est un passage sur Horoy! Mais alors, c'est pas important? Évidemment que c'est important, le fils qu'ils vont avoir. Mais ça, c'est 2 ou 3 ans après leur retour à Tahiti. On a beaucoup de choses à raconter avant, enfin. Ça lutte pour la reconnaissance de la culture maori. Son combat pour faire émerger le savoir traditionnel du chaos dans lequel le colonialisme l'avait plongé. L'amour, le bonheur, l'amour pour mériter l'amour. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, ça va pas là. J'ai des émanations. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai besoin d'être étrange. J'ai besoin. T'es malade? Oui, j'avais envie qu'on parle des moments heureux. Oui, j'avais envie qu'on parle des moments de bonheur qu'ils ont eu ensemble. Parce qu'ils en ont eu des moments de bonheur. Tiens, celui-là par exemple. Ils étaient dans la salle de bain et Miri donnait son bain à Horoy. Oui. Et lui, il s'est assis derrière elle. Et il a mis un bras autour de son cou et l'autre autour de sa taille. Ils sont restés un long moment comme ça. Elle ne s'est pas retournée, non. Mais au bout d'un certain temps, elle lui a dit seulement... Tu as vu comme notre fils a les yeux clairs? J'aurais aimé être cette Miri-là, un instant, qui se perd dans les prunelles de Roy. Oh, 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 vous faites quoi, là? Je croyais qu'on allait jouer la fin du bambou noir. Mais on cherche l'inspiration. Je peux vous aider? Faut voir. Ça dépend. Qu'est-ce que c'est? Ah! Un tiki! Et à travers lui, tu peux demander à Dieu de t'inspirer. Bobby Holcomb! Bobby Holcomb a dit exactement la même chose aux Tahitiens le jour où il en a offert un semblable à celui-là. Ah ouais, je me rappelle bien de ce passage. Ouais, Bobby Holcomb, le métis de dreadlocks doré par le sel marin, au sourire éclatant, pieds nus, avec son panier en pandanus tressé sur l'épaule. C'est une belle image, ça, une belle apparition. C'était peu après leur retour à Tahiti. Ils habitaient une petite maison en bois à Pamatai. Et lui, en attendant mieux, il était encadreur dans une galerie d'art. Ce matin-là, Bobby Holcomb, le musicien reconnu, entre dans la galerie. Et lorsqu'il demande au Tahitien s'il peint en ce moment, il lui répond qu'il est en panne d'inspiration. Et là, Bobby Holcomb lui tend le tiki entre les mains.
et lui dit d'écouter ses rêves. Ah ouais, écouter ses rêves, c'est un bon début, ça. Ses grands-parents lui ont appris que certains songes étaient des fenêtres qui s'ouvraient sur l'avenir. Et même bien des années plus tard, ils se réalisaient, comme celui-là, par exemple. Grimper une colline en courant. J'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter, malgré tout mon chargement. Sous un bras, j'ai tout un tas de pièces de bois de construction et sur l'épaule, un tronc de cocotier doit mesurer au moins 2 mètres. Mais rien ne m'arrête. J'avance, je sens en moi une volonté, une rage de vaincre qui me pousse vers le sommet. Et à chaque fois que je m'en approche, j'ai l'impression qu'il recule sans cesse. Oh. Ah, redescends sur terre. Il faut absolument que j'aille travailler. N'oublie pas, on déjeune ensemble ce midi, hein. Et puis s'il te plaît, par pitié. Non, hein. Non, je n'oublierai pas, oui. Oui, je serai à l'heure, mais par pitié. Cesse de souffler comme un phoque dès le matin. Ah bon? Je souffle, moi? Je souffle? Contrairement à lui, Milly n'a eu aucun mal de trouver un travail dans la fonction territoriale. Alors, t'avais l'air de vouloir me communiquer de grandes nouvelles ce matin. Les hôtels de luxe sont en pleine déconfiture. Ton directeur a enfin compris les bienfaits d'un tourisme à l'échelle humaine. Ah, arrête! Enfin, on s'est suffisamment engueulé sur le sujet, non? Lui plutôt l'annonce que je t'ai... entouré. Un cabinet d'architectes cherche un dessinateur. Et alors? Alors, c'est tout ce que ça te fait? Tu préfères rester moisir dans ta boutique? C'est ça la vie que tu veux nous construire? Calme-toi, j'ai pas dit ça. Ça me déplairait pas du tout, mais je sais pas si j'ai des chances d'être embauché. Mon père pourra certainement intervenir. Ah non, ça tu sais très bien ce que j'en pense. Je ne veux pas arriver par piston. C'est mon mérite que je veux faire reconnaître. C'est non. Ton mérite. Tu es bourré de mérite et tu vas encore tout gâcher avec tes scrupules déplacés. C'est trop égoïste à la fin. Moi, j'ai envie qu'on soit heureux, qu'on ait des enfants, qu'on construise une maison... Mais moi aussi, j'ai envie de tout ça. Tout ce que je peux te promettre, c'est de proposer ma candidature. Mais je veux rien savoir de ton père, d'accord? D'accord. Pourquoi tu ris comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ne me dis pas que tu lui en as déjà parlé? Tu penses bien que non. C'est joli comme nom de cabinet. Faré Aura. La maison de la vie. Tu ne trouves pas? Ça me donne une de ses pains, non? On va manger? En plus peu de temps, il était devenu le bras droit de Guy Lejeune, l'architecte de Faré Aura. Ils étaient inséparables. On a un nouveau projet. De l'architecture traditionnelle. De la vraie, enfin. Un projet qui va nous permettre de construire local, pas juste du cachet polynésien. Et puis financièrement, ça va nous faire du bien, ça va nous remettre à flot. Il ne prend pas trop de risques, Guy, tous ces contrats qu'il refuse? Attends, tu ne vas pas lui reprocher d'avoir des convictions? Les mêmes que les miennes, en plus. Et la vie s'est installée, et puis Horoy était né. Mais rien n'avait préparé le jeune Tyson, ce qu'il allait appeler l'hydre à trois têtes. La collision entre le grand patronat, le gouvernement local et l'État français. Dans notre journal, c'est la première avec Axel Mézinet. Bonjour Axel. Bonjour. Pour commencer, le résultat des dernières élections territoriales. C'est donc bien Gaston Flosse qui est revenu au pouvoir. Gaston Flosse qui doit déjà s'atteler à de lourds dossiers, le bilan catastrophique du dernier cyclone Véna, qui s'est abattu sur l'archipel, et puis cette nouvelle qui vient de tomber. Les syndicats des 4 plus grands hôtels de Tahiti ont déposé un préavis de grève pour réclamer leurs heures de travail non payées. Selon les syndicats, 500 salariés seraient mobilisés. Tu déjeunes avec moi? Chaque jour de grève, le bras de fer continue. Le syndicat hôtelier refuse toujours de satisfaire les revendications des salariés. J'en ai assez! Tu n'es plus jamais là. Tu ne t'occupes même pas de ton fils. Tu me sacrifies, tu nous sacrifies, tu sacrifies ta famille. Tu es contre nous et contre le gouvernement. Et toi, t'es pour lui, ça t'inquiète pas, ça fait longtemps que je le sais. Mais je suis content que tu dises ouvertement les choses. Tu es contre la grève, et tu es pour la grande hôtellerie, tu l'as toujours été. Et alors? Les hôtels de luxe attirent une clientèle aisée, donc des devises et donc des emplois, non?
en livrant à l'exploitation des centaines de travailleurs tahitiens. C'est ça que tu veux? Il avait besoin de se vider l'esprit. Il a alors repris l'esquisse et tracé légèrement les mailles régulières d'une sorte de filet de cordage qui enveloppait totalement la silhouette aérienne qui tenait le pinceau. Aux intersections des mailles, il a dessiné des nœuds autant de fois que nécessaire. Sans s'en apercevoir, il avait chevillé sa destinée à celle de Miri et avait perdu tout libre arbitre. Les accords de Matavai ont été signés! On est enfin sortis de cette grève! 45 jours de conflit pour en arriver là. Accord tripartite, tu parles! Même les responsables syndicaux parlent d'une victoire des travailleurs. On va diminuer les heures non payées. Et la fermeture d'un hôtel? Et les centaines de travailleurs licenciés? C'est une victoire, ça, peut-être? Mais décidément, tu n'es jamais content! Oui, la chute n'allait pas tarder. Et la descente serait rapide. L'hydre à trois têtes s'était réveillé en la personne d'un promoteur un peu véreux, du chef de cabinet de Gaston Floss et du directeur des affaires foncières. Et cette rencontre a eu lieu à la Pointe des Pêcheurs, à Punavia. Ça, c'est capital. On y va. Tu y vas. Ah, et cette rencontre a eu lieu à Pointe des Pêcheurs, à Punavia. Guy n'est pas là? C'est vous qui le représentez? Oui, il s'excuse d'un imprévu qui l'a retenu en ville. L'essentiel, c'est le projet. Donc, un hôtel de luxe, 200 chambres sur, voyons, je dirais environ 5 étages, et une vingtaine de bungalows sur l'eau. Un projet d'envergure, à la fois novateur et audacieux. Un mariage particulièrement réussi d'une architecture moderne, presque épurée, et de construction plus traditionnelle. Ce petit cachet polynésien qui permettra à l'ensemble de mieux se fondre dans le décor. Se fondre? Des bâtiments de 30 mètres de haut? Vous n'avez pas peur que ça écrase un peu les cocotiers? Si ce n'est qu'une question de cocotiers, on pourra toujours les couper. D'ailleurs, on n'a qu'à s'approcher du bord de mer, on jugera mieux de l'impact du projet sur le littoral. Et on pourra en profiter pour apprécier la transparence et la pureté de l'eau. C'est un site vraiment paradisiaque, n'est-ce pas? On aperçoit même des bancs de poissons, regardez. Si j'avais su, j'aurais amené mon fusil de chasse sous-marine, moi. Enfin, on ne va pas vider les réserves avant l'arrivée des clients. Donc... on peut imaginer deux rangées de bungalows, ce qui nécessitera une emprise de, je dirais, environ un hectare, une cité lacustre en quelque sorte. Et dans le contexte polynésien, vous n'avez pas peur que ce soit un peu déplacé? Déplacé? Qu'est-ce que vous entendez par déplacé? Pour un Tahitien, il faut être soit fou, soit simple d'esprit pour construire sa maison sur le lagon. Il y a toujours le risque, voyez-vous, qu'elle soit emportée par une houle plus forte que d'ordinaire. Pourquoi croyez-vous que les Tahitiens construisent leur maison en retrait? Et puis je vois pas l'intérêt économique de réserver à une vingtaine de touristes le privilège de dormir bercé par le clapotis de l'eau, alors que la majorité sera cantonnée à terre dans les chambres de l'hôtel. Pardon, pardon, je vous arrête! Mais l'intérêt économique est évident, au contraire! C'est quoi le rêve polynésien? Un bungalow posé sur un lagon bleu turquoise, entouré d'une plage blanche plantée de cocotiers? Alors un hôtel de luxe qui ne peut pas afficher ça dans sa promotion, c'est même pas la peine. Le concept de bungalow, vous savez, c'est un simple argument publicitaire, rien de plus. Mais je crois que vous êtes encore un peu novice en la matière. Hein. Demandez donc à Guy de m'appeler dès que possible. Et soyez raisonnable. Je ne vous cache pas qu'il y a de gros intérêts en jeu et que ce projet a le soutien total du président. Mais je crois que nous pouvons en rester là. Pour aujourd'hui. Né d'un rejet. Né d'une racine. J'ai remonté la racine. Et j'ai trouvé la racine qui m'a donné la vie.
Et l'arbre tout entier m'a dit que je suis Maori. Que je suis un enfant de cette terre. Que mon identité vient de ses entrailles. Marchand d'identité. Je suis Maori. Marchand d'identité. Notre identité n'est pas une marchandise. Notre identité n'est pas négociable. Elle est. Et après cela, la rupture avec Guy Lejeune n'allait pas se faire attendre longtemps. Et un matin, il a déposé sa lettre de démission. Et la rupture avec Myrie n'allait pas tarder non plus. Il était en guerre avec les pognonistes. Un étranger. Je suis un étranger. En exil dans son propre pays. Il avait œuvré à sa propre perte, en choisissant de vivre dans le monde des idées. Il allait maintenant s'intégrer à celui des hommes. Un ciel se levait au-dessus des bambous noirs. C'est bien ça. C'est un message d'espoir. Un ciel se levait au-dessus des bambous noirs. C'est le moment de revenir à l'île aux anthropologues. Les oiseaux ? Oui, parce qu'il y a une dernière catégorie inclassable, c'est l'oiseau moqueur. Le spécimen le plus connu, c'est le Pambrunis culturalis. On raconte qu'il y a très longtemps, sa spécialité était de se moquer des hommes politiques et que ceux-ci, en représailles, l'avaient chassé de son lieu privilégié de nidification. Écoutons donc le chant de cet étrange oiseau et ce que nous dit le Pambrunis culturalis. Différente de la sienne, non. Dans l'intention consciente ou non de mieux les gouverner ou les administrer. Merci. Tu étais venu ici chez nous. Nous t'aurions accueilli à bras ouverts. Mais tu es venu ici chez toi. Et on ne sait comment t'accueillir chez toi. L'anthropologue rêve-t-il? Et de quoi? Seul. La raison qui occupe la majeure partie de son cerveau gouverne son intention. L'irrationnel n'a pas sa place. Sinon, terminé. Il en va de même du rêve et de l'imaginaire. Fasse ! Qu'il commence à tenir la raison en échec par le corps ou le sentiment du corps. Fasse ! Qu'il se mette à écouter les maîtres des paroles vivantes de la terre. Et suive le chemin qui mène à la reconnaissance des éléments perdus. De la culture Maori. Et nous savons bien que nous allons là où tout a commencé. Jean-Marc Pembrun. Taraitotini. Poète. Romancier. Essayiste. Dramaturge. Chanteur. Rêveur et frère polynésien. Frère polynésien. Thank you.
partir.